Je vais vous demander de bien vouloir prendre votre place. Merci. Bien, c'est un petit conseil municipal avec 7 points. J'ai des pouvoirs. Marie-Christine Maltais-Pirère donne pouvoir à Lionel Delhomme, qui est là. Aurélie Cousin donne pouvoir à Sandrine Kostadinov, qui est là. Philippe Marme donne pouvoir à Sophie Cuinière, qui n'est pas encore arrivée. Il est là. C'est bon. Je l'ai vu, là, il est dehors. Ouais. Non, non. Bien, quelques remerciements. L'antenne de la Croix-Rouge de Saint-Amand remercie la ville pour l'octroi d'une subvention d'un montant de 500 euros. Remerciements de la Croix-Rouge, je l'ai dit, mais c'est tout. Secrétaire de séance, Nora, merci. Nora Anglade. Le compte-rendu du conseil municipal du 6 mai 2021, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas, merci. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, merci. Le point numéro 2, compte-rendu des décisions prises en application de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Nora, s'il te plaît. Compte rendu des décisions prises en application de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire donne lecture des décisions prises depuis le compte rendu présenté lors de la dernière séance en application de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Marché public et accord cadre procédure adaptée. Acquisition de pièces détachées et fournitures pour l'entretien des véhicules et engins. Lot numéro 1. Véhicules légers et utilitaires. Entreprise GP Auto. Montant hors taxe maximum annuel. 1 an à compter du 1er mai 2021. Renouvelable 3 fois. 18 000 euros. Lot numéro 2. Poids lourd. Entreprise Parc Maintenance. Montant hors taxe annuel, comme l'autre, 7 500 euros. Lot numéro 3, matériel agricole, entreprise établissement Moreau. Montant hors taxe maximum annuel, 9 500 euros. Lot numéro 4, engin de chantier infructueux. Lot numéro 5, laveuse et balayeuse, entreprise Easy Voirie. Montant hors taxe maximum annuel 7 000 euros. Lot numéro 6, brosserie pour balayeuse. Entreprise brosserie Leclerc Noël. Montant hors taxe maximum annuel 4 000 euros. Entretien des toitures classiques. Entreprise Hervé Thermique. 1 an à compter du 22 avril 2021, renouvelable 3 fois, 40 000 euros. Marché public et accord cadre procédure formalisée. Prestation d'assurance, lot numéro 1, responsabilité et risque annexe. Entreprise SMACL, montant hors taxe annuel à compter du 1er avril 2021, 17 193 euros et 94 centimes. Lot numéro 2, protection juridique, entreprise CHAM, montant hors taxe annuel à partir du 1er avril 2021, 748 euros et 37 centimes. Marché public et accord cadre, acte modificatif, réhabilitation de la maison de la petite enfance, lot numéro 3, électricité SSI. Acte modificatif numéro 1, entreprise Faceo,
objet divers travaux électriques suite à la demande du contrôleur technique, montant de l'avenant 1541,20 € hors taxes. Réhabilitation de la maison de la petite enfance, lot numéro 6, store extérieur, acte modificatif numéro 1, entreprise Emis Sodiclair, objet ajout de 9 coffres de volets roulants effectifs pour habillage des façades, montant de l'avenant 1262,25 € hors taxe. Production, conditionnement et livraison de repas, lot numéro 2, restauration scolaire, acte modificatif numéro 1, entreprise Ensemble, objet intégration de nouveaux sites de livraison cantine Malard, montant de l'avenant, pas d'incidence financière. Demande de subvention, décision numéro 90 du 7 mai 2021, portant demande de subvention concernant l'organisation du concours révélateur de talents du design et des métiers d'art au titre des fonds européens LEADER, pour un montant d'aide de 27 803,60 €, 80%, abrogeant la décision numéro 33 du 26 février 2021. Régie, décision numéro 80 du 28 avril 2021 de création d'une régie de recettes pour l'aire de camping-car à Virlay, délivrance de concessions funéraires. 8 décisions concernant la délivrance de 8 concessions dans le cimetière Les Mûriers, dont une case Columbarium. Autre décision numéro 79 du 22 avril 2021 concernant la vente de 60 fauteuils de la salle des Carmes et d'une table de dessin. La commission des finances a été informée de ces décisions lors de sa séance du mardi 25 mai 2021. Ce rapport est donné à titre d'information. État des décisions prises envoyées avec la synthèse le jeudi 20 mai 2021. Merci Nora. Pour être très transparent, pour les matériels agricoles, les établissements Moreau de Buzançais étaient les seuls pour le marché. Pour les laveuses et balayeuses Easy Voirie de Montélimar, c'était les seuls. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Brosserie Leclerc Noël de Forges-les-Eaux dans le 76. Qu'est-ce que j'ai ? C'était les seuls aussi. Hervé Thermique de Bourges, c'était une entreprise de Vierzon, qui était 15 000 € plus cher. Pour la prestation d'assurance, la SMAC, il y avait deux autres candidats qui étaient de Paris, plus cher. Protection juridique de Lyon, la SHAM, il y avait une autre à Niort qui était plus chère. Ensuite, ce sont des avenants. Faceo, on l'a vu l'autre jour. C'est Vinci. Emis Sodiclair, c'est une plus-value. On rajoute des coffrets store extérieurs pour qu'il y ait une harmonie visuelle avec toutes les fenêtres. Puis voilà. Y a-t-il des remarques ? On voit pas, il n'y a pas de vote, donc je vous remercie. On passe au point suivant, Patrick Bongrand. Rapport numéro 3, avec le micro. Merci. Rapport numéro 3, cession d'une partie de terrain, Le Grand Pré, rue Sarrault. Par un courrier en date du 19 mai 2021, l'Office public de l'habitat du Cher, Val-de-Berry, représenté par son directeur général adjoint, M. Lemaigre, a manifesté son intérêt d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée BB311 située Le Grand Pré, rue Sarrault, pour une superficie d'environ 22 000 m² à l'euro symbolique. La circonstance d'intérêt général est avérée au vu du fait que Val-de-Berry souhaite acquérir cette partie de parcelle pour la construction de 48 logements individuels en compensation de la démolition d'immeubles dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, permettant de maintenir, voire d'accroître, sa population. Au vu de cet intérêt général, la collectivité a émis un accord de principe afin de céder une partie de cette parcelle à l'euro symbolique. De plus,
Cette dernière étant aujourd'hui de nature en espace vert, elle ne présente pas d'intérêt particulier pour la ville. La superficie réelle sera déterminée par le géomètre conformément aux documents d'arpentage réalisés. Les frais de bornage ainsi que les études géotechniques de sol seront à la charge de Val-de-Berry. Les voiries de desserte et réseaux seront prises en charge par la ville. Compte tenu de la saisine de France Domaine en date du 23 avril 2021, l'avis de France Domaine est réputé donné à l'issue d'un mois, soit au 23 mai 2021. La commission des finances a été consultée lors de sa séance du mardi 25 mai 2021. Il est donc proposé au conseil municipal de céder une partie de la parcelle cadastrée BB311 pour une superficie d'environ 22 000 m² à l'euro symbolique, entre parenthèses, plan envoyé avec la synthèse le jeudi 20 mai 2021, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte en la forme administrative et les documents à intervenir. Merci. Donc c'est un terrain qui est situé de part et d'autre du terrain de rugby rue Sarreau et qui est dans la continuité de la cité d'Didier Gerbault qui est en réelle transformation puisqu'il y a 118 logements qui ont été réhabilités avec isolation thermique extérieure, avec ajout de balcon, porte sécurisée, etc. Et il y aura 72 logements qui seront démolis. Il y aura les deux immeubles en face des services techniques qui vont être démolis. Donc, il est envisagé la construction de 48 maisons pour du relogement des locataires qui auront leur appartement détruit et puis faire en sorte que des familles nouvelles qui arrivent sur Saint-Amand. On n'est pas loin de 10 000 habitants. Si on peut faire venir des familles nouvelles sur Saint-Amand, ce sera parfait. Y a-t-il des remarques là-dessus ou des questions ? Oui, Dominique. Ah oui, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, sur cette question, nous ne voterons pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que, alors évidemment, on ne peut pas être opposé à la réhabilitation, à la rénovation et puis à la construction de nouveaux bâtiments. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que c'est un terrain de 22 000 m², donc 2,2 hectares. Pas loin quand même de commerce, c'est relativement bien situé, à un prix donc de l'euro symbolique. Quand on connaît la situation particulièrement endettée de la ville de Saint-Amand, il nous semble qu'on aurait pu faire autrement sur cette question. À l'euro symbolique, hein, on peut comprendre qu'il faille évidemment développer le logement locatif et notamment HLM. J'ai vécu en HLM, hein, je sais ce que c'est. Mais je pense aussi qu'on pouvait faire autrement par rapport à cette euro symbolique dans l'état de la situation financière de la ville de Saint-Amand. Donc ce sont les habitants de Saint-Amand qui vont supporter le transfert de ce terrain, hein, qui n'est pas un petit terrain. 2,2 hectares, 22 bosselets, hein, comme on dit en Berrichon. Donc je pense qu'on pouvait faire autrement que de céder cette parcelle qui est pour nous, en tout cas, qui va être utilisée. Et je répète, il ne s'agit en aucun cas de s'opposer à l'arrivée de nouvelles familles ni d'augmenter le taux de logements sociaux. On aurait souhaité également connaître le montant de France Domaine, puisqu'a priori, on a l'avis qui devait être donné au 23 mai. Donc on aurait souhaité également avoir ce montant pour que ce soit là aussi totalement transparent. Donc sur le sujet, nous ne voterons pas pour. Donc nous serons transparents hein, dès que les domaines auront donné ce montant. Il faut savoir que Val-de-Berry, je peux en parler, c'est 11 200 logements qui sont répartis sur 100 communes des départements. Lorsqu'une commune veut un lotissement, c'est la règle. C'est-à-dire que la commune donne le terrain et fait les réseaux. C'est la règle, c'est comme ça. Là, on n'attaque pas les terrains agricoles, on est en centre-ville, et puis on est dans un quartier.
Donc, moi, ce que je vois, c'est que je démolis les bâtiments collectifs et je construis du neuf. Je le dis, c'est au logement social de s'adapter aux locataires et pas aux locataires de s'adapter au logement social. Donc, je veux que Saint-Amand profite. Je suis président de Val-de-Berry. Saint-Amand, il y a 3 millions qui arrivent pour Gerbeau. Saint-Amand n'a pas eu de réhabilitation dans du logement social. Je parle de Val-de-Berry, je parle que de Val-de-Berry depuis les années 80. Je ne dis pas 90, je dis 80. Donc, j'ai le plus grand respect pour les locataires. Je veux qu'ils aient des maisons neuves dès que c'est possible. Donc là, c'est possible. On a un terrain qui ne peut absolument pas être exploité comme on l'a fait pour les Cégeaux, avec des parcelles vendues à des particuliers, puisque nous sommes en ORT, et ce n'est plus possible. Il n'y a que le bailleur social qui peut faire ce genre d'opération. Je rénove un quartier, il y a des commerces à côté. Si on fait venir un petit peu plus de monde, on va peut-être garder notre poste également, et puis éventuellement étendre nos commerces. Donc, vous pouvez voter contre, c'est votre droit, mais moi j'appelle à voter pour. D'autres remarques ? Oui, Dominique. Oui, je veux pas que l'on passe le conseil municipal là-dessus, mais il y a possibilité de faire autrement. Et il y a des exemples où on fait autrement, où on ne cède pas à l'euro symbolique. Hein. Donc c'est possible. Et une fois de plus, je répète que je comprends bien qu'il faille faire venir de nouvelles populations et il ne s'agit pas du tout de s'opposer sur ce sujet. C'est simplement de dire que la ville de Saint-Amand, quand même, elle a 17 millions d'euros de dettes. Alors ce n'est pas évidemment la vente du terrain qui va permettre de combler ça. Mais malgré tout, je trouve que c'est particulièrement léger de céder ce terrain à l'euro symbolique dans la situation financière de la ville de Saint-Amand. Voilà. Donc, effectivement, on ne votera pas pour. Très bien. On va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres marques, y a-t-il des votes contre ? 2. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Je ne participe pas au vote. Rapport numéro 4. Didier, s'il te plaît. Concession de service public pour la gestion du camping municipal de La Roche, délibération de lancement de procédure. Le camping de La Roche est développé, géré et exploité depuis plusieurs années par un délégataire sous la forme d'une délégation de service public. Cette expérience est avérée concluante. Le contrat actuel de délégation de service public arrive à échéance le 31 décembre 2021. Il convient donc de procéder à son renouvellement conformément à la réglementation sous la forme d'une concession de service public. Compte tenu du service concédé, au sein d'un site calme et verdoyant entre le Cher et le canal de Berry, le camping de La Roche a acquis une place de choix en matière touristique. Pendant la durée de la concession, la ville met à la disposition du concessionnaire le terrain de camping au lieu dit La Roche, le périmètre formant un tout d'environ 4 hectares, comprenant les terrains, ouvrages, immobiliers et matériels. Le concessionnaire assure le développement, la gestion et l'exploitation du camping municipal. Il pérennise la qualité du site et organise le service public offert au public. Durée envisagée. La durée initialement prévue était de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, donc pour les saisons 2022 à 2026, et ne permettait pas au concessionnaire d'engager des investissements conséquents. Il est donc envisagé de déléguer la gestion du camping pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2022, saison 2022 à 2031, afin de permettre au concessionnaire l'amortissement des investissements imposés par le contrat. Justification du recours à la concession de service public. Le camping municipal nécessite pour son bon fonctionnement l'intervention d'une équipe réunissant des compétences spécifiques telles que la bonne connaissance en matière d'hébergement de plein air, le gardiennage du site de jour comme de nuit, un accueil soigné assuré dans deux langues étrangères, dont l'anglais, la mise en œuvre d'activités, l'organisation d'animations, le maintien de l'équipement en bon état de fonctionnement et d'entretien et dans un parfait état de propreté, assurance du niveau de confort et d'équipement du camping, garantie du traitement et du suivi des réclamations. La ville ne dispose pas des moyens lui permettant d'assurer conjointement l'ensemble de ses missions. Aussi, elle souhaite lancer une procédure de concession de service public pour confier à nouveau le développement, la gestion et l'exploitation du camping municipal à un prestataire extérieur. Les modalités de désignation de ce partenaire sont définies par la réglementation relative au contrat de concession. Conditions financières et tarifaires.
Dans le cadre d'une concession de service public, le concessionnaire chargé de la gestion du camping sera rémunéré par les ressources tirées de l'exploitation du service public dans les conditions fixées au contrat. Eu égard aux obligations de service public mises à sa charge, le concessionnaire percevra une subvention pour compensation des contraintes de service public. Les modalités de versement de cette contribution seront définies au contrat. En contrepartie, des biens mis à sa disposition par la collectivité, le concessionnaire versera une redevance d'occupation. Proposition de choix de mode de gestion. Au vu de la présente analyse, la mise en place d'un contrat de concession de service public semble être bien adaptée à la gestion du camping. Les modalités de désignation du concessionnaire sont définies par les dispositions du Code de la commande publique ainsi que celles du Code général des collectivités territoriales. Compte tenu du chiffre d'affaires annuel présenté par le délégataire actuel, 91 570,90 € pour l'année 2019, les règles procédurales applicables sont celles prévues pour les contrats de concession d'une valeur inférieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française, procédure dite simplifiée, soit 5 350 000 € hors taxes. L'avis du comité technique a été rendu sur cette question lors de sa séance du mercredi 12 mai 2021. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du mardi 25 mai 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de confier la gestion du camping municipal dans le cadre d'une concession de service public conclue pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2022. Note explicative envoyée avec la synthèse le jeudi 20 mai 2021, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à procéder au lancement de la procédure de concession de service public et à signer tous les actes s'y rapportant. Merci. C'est un point qu'on avait abordé au conseil municipal précédent. Oui. Donc on passe de 5 ans à 10 ans. Y a-t-il des remarques ? Oui, Jennifer. Oui, bonjour. Je voulais faire une remarque parce qu'il me semble qu'au dernier conseil municipal, on avait adhéré à une société qui s'appelait Mille Lieux du Berry, qui devait normalement faire un rapport pour savoir si effectivement c'était la bonne opportunité, enfin si c'était la bonne façon de gérer ce camping. Et là, en fait, même pas quelques semaines après, on a ça et il n'y a pas eu de rapport de fait. Donc je me demande pourquoi on adhère en fait à ce genre de structure si on n'a pas les rapports. En réponse à cette remarque, la délibération qu'on a eue la fois dernière n'avait pas vocation à déterminer la durée sur laquelle on allait confier cette mission de service public. Elle avait pour mission, pour idée d'étudier en fait la façon avec laquelle on allait fonctionner avec le camping. Alors, en gros, c'est ce qu'on reste sur un camping de passage ou est-ce qu'on essaye de modifier les choses et d'arriver à un camping de séjour. Et le deuxième sujet, c'était de voir, pour nous, au regard des différents éléments qui vont nous être fournis, de quelle manière on peut le donner de la manière la plus optimale à exploiter. Alors, ça peut être par un délégataire de service public. On l'a dit l'autre jour, on peut le prendre en régie, on peut le vendre, on peut effectivement le confier à la SPL, qui travaille déjà sur ce type de produits touristiques. Le choix viendra après. Pour l'instant, l'objectif, c'est de voir quelles sont les options qui se présentent à nous. Et il y a une certitude, c'est qu'en termes d'investissement, la durée de 10 ans est une durée qui est une durée optimale pour permettre aux délégataires, aux concessionnaires de pouvoir travailler correctement. Donc, moi, je persiste, je ne comprends pas. Alors, je suis désolée. Non, je vais finir. Donc, je vais expliquer pourquoi je ne comprends pas. Parce que, justement, on se posait la question de savoir si la régie ou alors la délégation de service public était la bonne manière de faire. Et on est déjà en train de statuer, en fait, sur la délégation de service public. Non, on est en train de déterminer le fait que la potentielle délégation de service public se fait sur une durée de 10 ans et non pas sur une durée de 5 ans, puisque les propositions qui sont faites par les autres types de structures sont sur une durée de 10 ans. Donc on essaye de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et ensuite de pouvoir avoir des analyses sur les options qui soient faites sur les mêmes bases, sinon ce serait injuste. Jennifer, on ne statue pas, on lance une procédure, mais on ne décide pas là. D'autres remarques ? Non. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une ? Dominique, deux abstentions.
Merci. Point numéro 5. Sandrine Kostadinov, s'il te plaît. Convention de partenariat entre la ville Enedis et la mission locale. Monsieur le maire souhaite acquérir 2 vélos à assistance électrique dans le but de les mettre à disposition des jeunes inscrits à la mission locale Cher Sud, afin de faciliter leur déplacement dans le cadre de leur recherche d'emploi. En tant qu'acteur économique et social, Enedis souhaite apporter sa contribution à cette action spécifique de mobilité durable en versant à la ville une participation à hauteur de 2 200 euros. Aussi, Monsieur le maire propose de conclure une convention de partenariat formalisant les engagements de chaque partie, la ville, Enedis et la mission locale Cher Sud. Cette convention prendra effet à compter de sa date de signature et jusqu'au 31 décembre 2021. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du mardi 25 mai 2021. Il est proposé au conseil municipal de valider la convention de partenariat envoyée avec la synthèse le jeudi 20 mai 2021, d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non, merci. Point numéro 6, Jean-Pierre Potzer. Convention de partenariat entre la ville et Enedis dans le cadre du programme Petite Ville de Demain. La maîtrise de l'énergie constitue un enjeu majeur des prochaines décennies. Il convient pour cela de réussir le virage de la transition énergétique, que ce soit au travers des territoires à énergie positive ou dans le cadre d'actions qui auront des incidences sur le mode de vie des habitants, déplacements, développement du numérique, optimisation de la consommation et de la production d'énergie locale et la sobriété des consommations énergétiques de la collectivité ou des citoyens qui la composent. Pour y parvenir, il convient de saisir les opportunités qui se présentent pour être au cœur de l'évolution, que celle-ci soit numérique, sociétale ou urbanistique. C'est dans cet esprit qu'Enedis propose à la ville de l'accompagner dans ses projets et plus particulièrement dans les actions qu'elle porte dans le cadre du programme Petite Ville de Demain. Concernant le programme Petite Ville de Demain, la ville retient les thèmes de travail suivants. Mise en œuvre de la transition écologique, opportunité pour le territoire, par la mise à disposition de données et un appui au terme d'analyse. Valorisation du patrimoine communal, bâtiments, éclairage public, etc., par une meilleure connaissance et par une gestion énergétique renforcée. Intégration de la ville dans son territoire par des solutions de mobilité innovantes. Accompagnement du projet d'aménagement et coordination renforcée sur les travaux engagés. Soutien à des actions sociales et sociétales. Accompagnement des élus pour mener leurs projets en lien avec les missions d'Enedis. Afin de définir les modalités de mise en œuvre de ce partenariat entre la ville et Enedis, une convention a été établie. Elle prendra effet à la date de signature pour une durée de 3 ans. En fonction des modalités de mise en œuvre opérationnelle des différents axes de travail précités, les parties examineront au cas par cas la nécessité d'établir des conventions spécifiques. Il est proposé au conseil municipal de valider la convention de partenariat envoyée avec la synthèse le jeudi 20 mai 2021, d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Merci Jean-Pierre. Y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Non. Je vous remercie. Point numéro 7, Lionel Delhomme. Adhésion au système d'information géographique du SDE 18. Le syndicat départemental d'énergie du Cher est un syndicat mixte regroupant les 287 communes du département du Cher ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. Cette forme juridique lui permet de proposer à ses collectivités adhérentes, en plus de ses compétences obligatoires que sont les distributions publiques d'électricité et de gaz, des compétences dites à la carte, c'est-à-dire engageant uniquement les collectivités volontaires.
Ainsi, les collectivités qui le souhaitent peuvent confier au syndicat, par décision de leur assemblée délibérante, différentes compétences ou missions dès lors qu'elles s'inscrivent dans le strict respect de ses statuts. Le SDE 18 a initié dès 2003 la création d'un système d'information géographique, le SIG, pour répondre dans un premier temps à ses besoins internes de suivi des réseaux électriques. Puis, par convention avec la Direction générale des finances publiques, le syndicat est devenu le référent départemental de la numérisation cadastrale. L'objectif était d'offrir à toutes les collectivités du département un outil performant et accessible, adapté aux besoins de chacun, dont les possibilités de développement sont infinies. Ainsi, en 2007, le S218 a créé une plateforme web cartographique dénommée Latitude 18, afin de faciliter l'accès à l'outil. Le syndicat met alors à disposition des collectivités adhérentes les données cadastrales, la photo aérienne acquise auprès de l'IGN, les réseaux de distribution publique d'électricité basse et moyenne tension, les réseaux de distribution publique de gaz basse et moyenne pression si la commune est desservie, les réseaux d'éclairage public et le module du suivi à la demande d'intervention si la collectivité a transféré la compétence au SDE 18. Depuis l'achèvement en décembre 2011 de la numérisation cadastrale pour toutes les communes du Cher, le SDE 18 a souhaité enrichir son système d'information géographique Latitude 18 en mutualisant les données géoréférencées disponibles afin de les mettre à disposition des collectivités adhérentes. Sont désormais accessibles les plans locaux d'urbanisme numérisés par la commune ou la DDFIP, les données environnementales de la DREAL, les monuments historiques, les appellations d'origine contrôlée viticole, les données relatives à la défense incendie fournies par le SDIS du Cher, les réseaux humides numérisés par le gestionnaire public ou privé, etc. Afin de conserver l'adaptabilité de l'outil aux besoins des collectivités, le comité syndical a défini deux forfaits. Le forfait complet, qui comprend l'hébergement d'un nombre illimité de couches, est un libre accès aux données à la disposition du SDE 18. Cadastre, réseau électrique, éclairage public et gaz, vues aériennes, monuments historiques, documents d'urbanisme, réseaux humides, données environnementales, hydratants du SDIS, etc. Le forfait allégé qui comprend l'hébergement d'un nombre de couches limité aux seules compétences exercées par le S18. Cadastre numérisé, réseau électrique, d'éclairage public et de gaz. Cette formule n'est accessible qu'aux collectivités disposant en interne de leur propre système d'information géographique. Le montant de la participation financière demandée aux collectivités adhérentes fait l'objet d'une délibération annuelle de l'Assemblée délibérante du SDE 18. Actuellement, le montant de la participation annuelle est de forfait complet 50 centimes d'euros par habitant, forfait allégé 0,10 centimes d'euros par habitant. La ville envisage d'adhérer au forfait allégé de la participation au titre de l'année 2021 serait de 981,40 euros. Population totale au 1er janvier 2021 de 9 814 habitants. La commission des finances a été consultée sur cette question dans sa séance du mardi 25 mai 2021. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au système d'information géographique de SDE 18 sur la base du forfait allégé, d'inscrire les crédits nécessaires au budget, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents s'y rapportant. Donc il y a très peu de communes du département qui ne sont pas adhérentes à Latitude 18. On a un SIG à la ville de Saint-Amand qui est loin d'être complet et à jour. Donc pour même si on est très endetté, 0,10 euros par habitant, ça ne fait pas très cher. Donc notre service urbanisme va s'y retrouver aussi dans l'avance de son travail. Y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Non, je vous remercie. Et bien voilà. Donc le prochain conseil municipal sera le jeudi 24 juin à 19h. On reprendra les horaires normaux. Donc je vous invite à signer les paraphers avant de partir. Pour l'instant, on va penser que ce sera ici, puisque ça va évoluer à partir du 6 juin. Et 6 juin, pour l'instant, on a 35% du volume. Je ne pense pas que ce sera ça le désacte, hein, ce sera ici. Donc, ben merci, ce conseil municipal est terminé.